Et bien salut tout le monde, c'est HypothGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur notre Let's Play pour l'épisode 35. Et aujourd'hui on va faire un truc particulier, c'est parti. On se retrouve tout simplement ici déjà dans notre salle des coffres. Vous allez voir, je vais faire un truc spécial, regardez, j'ai besoin de quartz ici. Comme ceci, voilà. D'une table de craft que je n'ai pas. Mais à chaque fois, ça me met ça, ok. D'une table de craft que je n'ai pas. Ok, d'accord. Qui se trouve ici, j'en ai une, hein, voilà. C'est parfait. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'éclairage. Mais on va faire un éclairage assez spécial, voilà. J'ai besoin de ça pour faire des dalles. Logiquement, si on fait comme ceci et comme ceci, voilà. On peut faire un capteur de lumière. Et ça, c'est vraiment parfait. Un panneau solaire, en fait. Un capteur de lumière pour savoir s'il fait jour ou pas. Du coup, c'est à peu près le principe. On se retrouve ici aussi pour prendre de la redstone. Donc ici, j'en ai. Hop. On va prendre quelques torches de redstone. On va prendre, voilà, 9. On va prendre... il faudrait se faire un bouton. Un bouton et des répéteurs. C'est ce qu'on va faire. Hop. Ok, voilà. On va faire des répéteurs, normalement. Ça se fait avec de la stone. Et puis ça, il me faut de la stone. Ici, est-ce que j'ai de la stone? Cuite. Il faudrait que je me fasse chauffer de la stone, en fait. Ok, j'ai pas du tout de stone. Ah, si, non, ça, c'était l'andésite. Est-ce que j'ai de la stone? Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. On va s'en passer pour le moment. J'ai pas mal de cobble, par contre. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'éclairage. J'ai oublié un petit truc déjà. L'éclairage, regardez ici, lampe de redstone, on va prendre tout ça. La lampe de redstone. Et on va faire l'éclairage de l'enclos. De l'enclos à tortue, bien évidemment. Et donc, c'est parti pour cet épisode 35. On va vite dormir. Hop, on va vite dormir. Comme ceci. Le lit est trop loin, ok, d'accord. Et comme ça, ça va être parfait. Je vous allez voir, il y a pas mal de trucs encore à terminer hein, dans ce let's play. Je vais essayer de terminer tout ça avant de passer à d'autres projets. Mais en tout cas, on va terminer d'abord l'enclos, puis finaliser un peu tout le reste. Vous voyez qu'ici, on a encore la tour d'observation. On est encore centré là, toute débile. Mais on va changer ça. J'espère que ça fonctionne toujours, en fait, cet ascenseur. Ok, ça fonctionne toujours. C'est parfait. Et du coup, on arrive ici dans, okay, dans notre portail. Ah, peut-être qu'on avait de la stone ici, mais non. Ok. Du coup, on arrive dans notre portail, il faudrait que je rehausse un peu tout ça. Et qu'on termine cette tour d'observation. Du coup, voilà, on va continuer ici notre chemin. Vous voyez qu'ici, je dois encore terminer. Il y a pas mal de choses à faire. Moi aussi, j'avais déjà bien avancé. Hein. Ici, on avait vraiment bien avancé. En tout cas, j'étais plutôt satisfait. On va aller là-bas. J'ai cette lampe de redstone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans l'enclos. Est-ce que j'en ai une ici? J'avais vu que j'en avais une. Ok, du coup, on en a 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans des points stratégiques du genre ici, voilà. Une, pareil ici. Deux. On va en mettre une ici. Trois. Et quatre ici. Comme ça. On va déjà tester une ici. De les allumer. Voilà, et pour ce faire, on va aller en dessous. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a du sable maintenant. On mettra un bouton ici. On va faire déjà un bouton en bois. Voilà, on mettra le bouton ici. Et ce sera un bouton un peu caché. Ou alors on le mettra ici. On verra. On va le mettre là. Comme ça, ce sera déjà un peu plus esthétique. Voilà. Et comme ça, on peut déjà creuser. J'ai besoin d'une pelle. Vu que notre pelle était morte la fois passée. Hop. Voilà. Et... non, il n'y aura pas de bouton en fait. Il n'y aura pas besoin de bouton. On va faire ça... plus classement, on va dire. On mettra, ouais, un panneau solaire ici et on va directement creuser par ici. Voilà, on va directement creuser par ici. On va le déplacer de 1, on va le déplacer de 1 vers là, comme ça. Voilà. Ok, donc là c'est activé, on peut changer le mode, désactiver. Donc quand c'est nuit, ça sera activé. Du coup on va laisser activer pour le moment. Comme ça on sait où la redstone va aller. Et c'est parti, on va creuser.
Alors, notre première lampe, où elle se trouve? Notre première lampe se trouve juste en face de nous, logiquement. Du coup, si on creuse, ouais, il y a le sable qui va tomber. Ok, la première lampe se trouve ici. C'est parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut amener le courant directement dessus. Ok, ça va l'allumer, c'est parfait. Alors, donc ça va l'allumer. Et si on arrête ça, ok, ça va s'éteindre, c'est parfait. Du coup, ça c'est plutôt bien. Et c'est ce qu'on va faire tout le long. On va déjà rediriger la redstone après un peu partout. Mais on va essayer d'optimiser ça pour que ça se voit légèrement, tout simplement. Si je mets ça là, ok, ça capte pas. Si ça capte la lumière. Ok, ça capte la lumière. On va essayer de remonter. Ça capte la lumière, mais du coup, il faudra cacher à peu près. Et si je le mets juste un étape au-dessus, comme ceci. Hop. Est-ce que ça va capter la lumière si je fais ça? Ça capte, ça fonctionne aussi. Du coup, c'est parfait. On a juste ça et c'est pas dérangeant. Pas besoin de le cacher vu que personne n'ira vers ici et ce sera vers plutôt des maisons ici. On va juste aller ici en dessous pour un peu bloquer l'eau qui passera quand on va passer de l'autre côté. Hop, on va juste mettre ça pour bloquer l'eau. Voilà. Ok. Alors, on va repérer où est l'autre lampe. Je l'avais mise ici, je pense. Ouais, il y en a une ici. Alors, on va faire un trou ici. Hop, hop, hop. Hop, on va faire deux, trois, comme ça on s'en sort un peu. On va repérer la lampe. Ok, la lampe est ici. Ok. Alors, il faut que le courant arrive directement dans la lampe. Du coup, comment on pourrait faire ça? Est-ce que le courant passe si on active le bloc en dessous? Logiquement, oui. Ok. Et du coup, on va faire comme ça. Et on va s'en sortir comme ça, vous allez voir. Alors, on va arriver avec de la redstone de ce côté-là, vous voyez ici. Et on va la faire passer de l'autre côté. Et logiquement, si on tire la redstone, on va la faire passer ici. Ici, faudrait qu'on cache tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va casser ça. On va faire une méthode plus simple. Voilà. On va faire arriver la redstone comme ceci, dans le bloc. La faire passer en dessous. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir cacher au-dessus après. Et du coup, c'est juste ici. Et ben donc, il suffit de creuser comme ceci jusqu'à arriver ici. Voilà. Et donc, c'est pas très très propre, mais ça fonctionnera. Voilà. Et donc, ça va l'activer aussi. Parfait. Alors, ensuite. Donc là, on a déjà deux lampes activées. Pour le soir, c'est plutôt pas mal. On va mettre ça pour pouvoir monter plus facilement. Alors, donc on a deux lampes activées. Oui, ok, je me suis pris des dégâts. Donc pour le soir, c'est plutôt pas mal. La suite, elle est juste là. Donc juste en face. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à peu près sur le côté. Et voilà. Et tracer tout droit. Bon, il y aura du sable qui va tomber. Ça, on est un peu obligé, mais on remettra ça par après avec les câbles de redstone. Hop, voilà. Ok, c'est parfait. On peut tirer la redstone. Par contre, ici, il faudra un répéteur. Hop, on va la tirer. Donc, on va faire un système assez simple. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait s'activer. Mais bien sûr, là, on n'a pas de répéteur. Du coup, on fera ça par la suite. L'autre, elle est juste en face de celle-ci. Du coup, on va passer ici sur le côté. Cette fois-ci, on remettra le sable et bien évidemment, hop, et on fera quelque chose de mieux même. Hop, hop. Ok, la lampe est juste là. Et du coup, ça devrait être bon. Si je regarde, ouais, ça devrait être bon juste ici. Hop là, voilà. Et là, du coup, on met de la redstone. Ça va. On s'en sort plutôt pas mal. On va mettre un répéteur aussi. Et du coup, maintenant, on va passer de l'autre côté pour activer l'autre. Dans l'autre sens. Alors, l'autre, elle était. Hop, on va voir ça. L'autre, elle était juste ici à côté. Bah, du coup, on va faire suivre. Ouais, on va passer par là. Du coup, on va faire suivre ça. Hop, 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 hop. Ok. Du coup, elle va passer par là. Et on va faire comme ceci, hein. Ça va être plus simple. Hop, hop. Directement. Voilà. C'est plutôt parfait. Alors maintenant pour sortir de là,
on va aller par ici et on va recouvrir tout ça. Donc on va recouvrir déjà avec ceci. Hop, voilà, qu'on peut recouvrir. Hop, voilà, le sable. Il va tenir vu qu'il y a la redstone. Ça, c'est parfait. Pareil ici, genre ici, on peut recouvrir comme ça. Ici, là-bas en dessous, on peut recouvrir pas directement vu que ici on va devoir mettre des répéteurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des répéteurs. En créer, genre 2-3. Et du coup, on se retrouve juste après. Donc, on se retrouve, j'ai les répéteurs, c'est parfait. Ils sont ici. Alors, j'ai les répéteurs, on va les placer à des points stratégiques. Déjà ici, ça ne fonctionnait plus. Du coup, on va les mettre... Bon, on va en mettre un, comme ça. Ok, ça fonctionne. Le courant est assez répété. Pour ici. Pour ici. Est-ce que ça fonctionne si j'en mets un? Comme ça, c'est bon. Ça met le courant. Est-ce que ça met le courant partout? Est-ce que la lampe là est activée? On va voir ça tout de suite. Donc là c'est bon, c'est parti. Toutes les lampes ont l'air activées. On va voir celle-ci. Celle-ci est activée, celle-là n'est pas activée, d'accord. Bon, on va mettre juste un répéteur ici. Voilà. Et logiquement elle devrait être activée. Hop, on va regarder ça. C'est parfait. Toutes les lampes sont activées. On va pouvoir recouvrir tout ça avec du sable. Ça, on peut recouvrir comme ceci. On avait mis du sable, du sable, du sable, du sable, du sable. Voilà. Comme ceci. Pareil pour ici. Bon, là en dessous. Hop, comme ceci. Du sable. Hop. Hop, voilà. Ici, c'était... Ok, vous voyez, ça a changé. Donc, c'est la nuit. Et du coup, ça se désactive. Du coup, on va changer, on va mettre le mode nuit déjà. Vous voyez que la lumière a déjà baissé. Et du coup, ça va s'activer. On va regarder ça. Pourquoi celle-là est déjà activée? Celle-là reste activée, je ne sais pas pourquoi. Ok, celle-là reste activée parce qu'il y a encore un peu de puissance dans le... Ok. Bon, il y en a une qui reste activée. On va essayer de... On va juste changer ça. On va mettre le mode jour. Et quand c'est bien la nuit, je vais vous montrer. Logiquement, il devrait plus. Voilà, elle s'est éteinte. Voilà, il n'y a plus de lumière. Je vais vous montrer ça. On va juste vite fait reboucher. Donc, ici, ça. Comme ceci. Voilà. Pareil pour ici. Hop, hop. Du sable. On remet comme c'était. Ok, non, pas du sable ici, sinon elle va pouvoir s'enfuir. Mais comme ceci. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout a été remis? Logiquement, oui. Maintenant, en dehors, on va pouvoir reboucher. Hop. Alors. Bah, on va pouvoir reboucher tout simplement comme ça. Est-ce que j'ai modifié le répéteur? Ok, non. Hop. Voilà, on peut reboucher tranquillement. On va enlever ces espèces de pyramides. Ok. Ici, est-ce que ça a été... Ici, on peut reboucher. Vous voyez que les lampes sont éteintes, hein, bien évidemment. Hop, ici, il n'y a rien eu. Ici, on peut enlever. Voilà, parce qu'il n'en a pas eu besoin. Et on peut reboucher ici. Par contre, ça ici, voilà, c'est ça que j'avais modifié. Par contre, ici, on peut reboucher. Et logiquement, si je mets le mode nuit, voilà. Si je mets le mode nuit, tout s'active et c'est parfait. Et du coup, ça s'activera la nuit. On va aller voir ça. Et vous allez voir comment c'est, ça rend bien. Hop là, vous voyez que le mode nuit, c'est parfait. Ça active les lampes, il y a assez de luminosité pour les tortues. Du coup, voilà, donc je vais juste hop, enlever les torches pour vous montrer quand j'enlève le mode nuit. On va aller juste derrière là. Et vous allez voir, mode jour, tout s'éteint. Vous voyez, c'est vraiment noir. Et si j'active le mode nuit, c'est parfait, tout s'allume. Ok, rien à dire, on a fait l'éclairage. Maintenant, il ne restera plus qu'à faire le haut de tout simplement de l'enclos, comme ceci, et de faire tout simplement les barrières ici, donc les dalles. Et ensuite, on mettra
les tortues. Donc du coup encore à peu près 2 épisodes sur cet enclos et on aura fini. Donc je tiens à le finir, hein, comme ça sera déjà fait directement, on le fait par épisode. Du coup voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un autre épisode. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172. Allez bah tout le monde, ciao.